Aujourd'hui, les films sont stockés et envoyés sur des disques durs. Avant, c'était des bobines de pellicules qui faisaient à peu près 600 mètres chacune. La première chose à faire, c'est de récupérer les bobines ou les disques durs. À l'époque, les films argentiques prenaient énormément de place. Pour un long métrage d'1h30, t'avais au moins 2,5 km de pellicule. Donc c'était très lourd, ça prenait une grande place. Surtout que t'avais une bobine pour chaque version. La version française, la version originale sous-titrée et d'autres versions. Aujourd'hui, tout est numérisé. Le film est enregistré sur un disque dur qu'on appelle un DCP. Sur un seul disque dur, tu peux trouver toutes les versions du film. Du coup, c'est tout petit, c'est transportable, c'est simple d'utilisation. Je le connecte sur le projecteur pour faire l'ingest. Le film est crypté, je le décode grâce à la réception d'un KDM. Une fois que j'ai récupéré les copies, les bobines ou les DCP, je peux préparer les futures projections.